Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment utiliser le site bovary.fr. Vous arrivez sur la page de présentation du site. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment utiliser l'évolution des brouillons jusqu'au texte final. Pour ce faire, vous allez dans la rubrique « Consulter ». Vous cliquez sur « Roman ». Imaginons par exemple que nous souhaitions faire un travail autour de la rencontre entre Charles et Emma. Donc, vous voyez que cette rencontre, elle se situe au chapitre 2. Vous voyez que apparaît ici le fait que nous sommes sur la séquence 33. Donc repérez bien le début et la fin de cette séquence. On commence par « Son cou sortait d'un col blanc rabattu » et on termine par « En lui tendant son air de bœuf ». Vous cliquez, une seconde fenêtre s'ouvre sur laquelle deux documents apparaissent qui se font face. D'un côté, vous avez le manuscrit de Flaubert. De l'autre côté, vous avez sa retranscription dactylographiée. J'avais dit en début de vidéo que je te lancerais sur un exercice que l'on finira en classe. Appuie sur pause, le temps de lire la consigne. Pour répondre au problème qui t'est posé, tu auras besoin de tes connaissances et de trois documents. Ce que je te demande de faire avant que l'on se voie, c'est de consulter le document 1 afin de répondre à une question préliminaire. Ce document 1, tu le trouveras en faisant une recherche informatique et en tapant dans ton moteur de recherche Clostridium botulinum Wikipédia. En lisant le premier paragraphe de la page qui s'affichera, tu pourras répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'un roman d'aventure? À l'aide des documents proposés, vous allez devoir expliquer en quelques lignes les caractéristiques d'un roman d'aventure. Voyons d'abord le premier document. Il s'agit d'une vidéo. Je suis né et j'ai grandi dans un des plus beaux endroits sur Terre. C'était une époque enchantée, mais quand ma famille déménagea notre zoo à l'autre bout du monde, alors commença pour moi le plus grand des voyages. Passons maintenant au second document. Il s'agit d'une affiche de cinéma qui représente le film Voyage au centre de la Terre. Le troisième document représente un extrait du livre d'où est adapté le film et qui s'intitule Voyage au centre de la Terre et qui a été écrit en 1864 par Jules Verne. Voici maintenant un tableau de Henri Rousseau, dit le douanier Rousseau, qui s'intitule « La charmeuse de serpent ».
le cinquième document est la première de couverture d'une bande dessinée qui est une adaptation de L'île au trésor. L'avant-dernier document est un extrait d'un livre qui s'intitule Le trésor de la Marie, écrit par Agathe Le Balleur. Enfin, le dernier document représente deux couvertures, l'une d'une bande dessinée sur Robinson Crusoé. La deuxième couverture est une édition du livre Robinson Crusoé. Et la troisième image est un extrait d'un film qui représente l'histoire de Robinson Crusoé. Bon courage !